Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play de Legend of Dragoon. Or dans cette vidéo, normalement, nous allons assister, enfin participer même, à un beau combat, celui de du dragon divin. Ah, c'est parti. Alors vous vous rappelez que, ou pas d'ailleurs, que dans la vidéo précédente on avait, j'étais retourné en fait à la ville marché de Loan pour, pour acheter en fait des casques légendes. Voilà, donc en fait je m'étais fait plaisir, je me suis dit quand même. On a des sous parce que je m'étais entraîné pendant un petit moment quand même dans la cité interdite là. Du coup on avait j'avais récupéré pas mal d'équipements et pas mal de pas mal d'argent, donc allez, on s'est fait plaisir, on s'est acheté deux casques légendes et du coup ça va faciliter largement le combat, enfin tous les combats à venir. Donc certains pourront dire que acheter les casques légendes c'est un petit peu trop de faciliter le jeu, mais bon, dis quand même que gagner de l'argent c'est tellement difficile dans ce jeu que si on arrive à atteindre les 10 000, on mérite de se faire plaisir, et c'est ce que j'ai fait. Surtout que le but de ce let's play, donc déjà, c'est de finir le jeu. Mais c'est également de battre le magicien Faust. Donc ça va pas être évident. Ouais. Allez, en route vers le monde du dragon tueur. Ok, je vois rien. Et bon, combat. Donc pour reprendre l'histoire, vous avez vu qu'un dragon millénaire, enfin, peut-être même plus, s'est libéré de son emprisonnement, de ses chaînes. Et qu'il a décidé de se venger de la ville de Denigre. Putain, mais c'est pas évident, hein. Bon, seulement qu'il y a des valeurs sûres. Et donc du coup, il a attaqué Denigre, il a tout détruit, il s'est réfugié au sommet du dragon tueur. Maintenant, à nous d'aller le combattre. Alors le truc, c'est que comme le boss précédent qui s'appelait Superbe Bijou, le dragon divin est très 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 fort contre les dragons, donc il ne faut surtout pas se transformer, hein. Alors hop, et ça fait longtemps que je l'ai plus fait cet endroit. Pff, si vous saviez. Ouais, ça commence un peu plus déjà. Ah ouais, je veux dire un purif corporel. Thank you.
Pouf, c'est pire. Allez, boule d'attaque. Alors, on va passer par là. Des ennemis qu'on ne connaît pas. Je peux pas sortir d'excuses, hein, mais le fait d'enregistrer la vidéo, en fait, je passe par un câble. Et je vous assure que ce câble, il m'accélère le jeu de quelques secondes et ça me fait rater les combos, mais bon. Comme je vous dis, hein, je vais pas me chercher d'excuses, hein, mais ah, j'avoue que... Putain, il est allé me faire la peur. Ouais, je m'en fous, il va rester à la peur. Donc la peur, ça double les dégâts reçus, ça divise par deux les dégâts donnés. Ah, broyeur d'eau. On instrumente. Ah bah putain. Ça c'était du combat. Allez. Ah, c'est peut-être pas là alors. C'est par là, là. Ah, bon. Allez, les portées logées. Bon, ben, je vais enlever la peur, hein. Ça tombe bien. Bon, moi j'aurais pris le coffre. Donc si c'est pas là, on va remonter au nord. Encore un. Possible ça. Bon. Putain, il m'a fait peur. Tiens. Il mange ça. Alors, putain, espèce de chemin à chaque fois. Allez. Ah,
Et ils sont... ils sont bien dans le mouvement, les amis. C'est le groupe... le groupe de rappeurs local. Alors... Hop, cette forêt privée. Mais non, c'est pourquoi j'appuie. Hein. Bon, bah, sans réussir les combos, hein. Heureusement qu'il y a Rose qui est obligé de les réussir. En fait, il faut que j'appuie avant de devoir avoir le bon moment, en fait. C'est un truc de fou. Ouais, ça c'est bon. On va sortir. Normalement, il y a un coffre. On prend le coffre. Ou pas. Allez. On va garder un puril d'esprit que s'il me met la peur. Risk curative, voilà. Donc, c'est par là. Ah, encore un chemin. Putain, presque. Parce que, en fait, il y avait un coffre tout en bas. On va voir si j'arrive à le choper là. Bon, le niveau n'est pas très très long, hein, normalement. Wyvern. Bon, c'est dur hein, parce qu'il faut que j'appuie avant d'avoir le bon curseur. Mais... de temps en temps je peux en réussir un, ça serait un bon coup. Bon, elle a raté. Non, c'est par là. Bon, moi déjà, j'aurais récupéré les coffres. Armure de giganto. Bon, ça doit être pour Kongol, ça. Pas mal. Voilà. D'ailleurs, faudrait que je regarde un peu les combos. Je suis où là? 6, 39, 80. Bon, là on l'a fait, là on l'a fait. Et là, y... là c'est l'eau d'où je viens. Donc c'est par là-haut. Allez. Si c'est pas là, c'est que j'ai dû rater le chemin. Mais je vois pas où. Oh, ça devrait être là. Hein.
Allez, regarde ça. C'est bien. Dors du démon. Ah, les darts, hein. On va essayer. Hein. Putain, presque. Hein. Bon, les magies normalement. Hein. Hop, voilà. Non. Et donc, de plus. Après niveau, bon, tant mieux. C'est vrai qu'il rapporte ici quand même, hein, expérience. C'est un bon petit endroit pour s'entraîner. Casque de dragon. Ah ben là les casques, c'est gentil mais ça me sert plus. Hein. Augmente HP max de 50%. Bah ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Ça me sert à rien. Oh, on doit pas. On doit pas trop loin. On monte, on monte, on monte. Il y a un coffre là. Je pourrais soigner un peu Rose. Petite sauvegarde. Pas sauvegarder sur le bon bloc si jamais il y a un problème pendant l'enregistrement. Allez. Bon, on va se faire un bon combat là. Que je me serais sacrément facilité avec les casques de légende, je vous le dis. Disparition. Alors, ça vaut pas assez cher à la revente.
Hop. Ce bruit d'épée, quelqu'un serait-il déjà en train de le combattre? Vas-y, de toute façon, on entend. Oh putain, encore! Allez, c'est parti, nous y sommes. Le grand dragon divin. C'est sa chambre. C'est plutôt que prévu. Le futur roi des dragons, même avec les pêcheurs dragons, il va causer des ennuis. C'est parti. Alors c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que le bâton anti-dragon va considérablement diminuer la puissance du dragon divin. Oh putain. Mais elle va également considérablement diminuer celle des dragons. Bon, ouais, ça part de là. Alors. Dragon divin, boule divine et canon divin. Donc là la technique en fait c'est de... Moi j'attaque toujours boule divine. Je crois que c'est là où il y a le moins de points de vie. Sors du démon. 156, bon. En ratant les combos, ça va être trop long. Bon, bah, allez. Normalement. Tranquille. Et s'il n'avait pas le casque de légende, son vol se ferait déchirer. Mais là, miss. C'est pour ça que ce jeu n'est pas difficile. Hein. À partir du moment où vous faites un milliard de combats, vous prenez, vous achetez les casques légendes.
c'est très efficace. C'est bien. C'est bon. Un coup de 300, ça devrait, devrait aller vite, hein, vu que j'ai fait jaune. Voilà, voilà, c'est bon. Ouf. Il enlève pas tant, pas beaucoup, hein, Dart. Allez, chevelure. Je crois que je l'ai fait 3 fois, Congolais une fois, 1000, 2000, 3000, 4000. Ah, il meurt pas. C'est ça qu'un on dit, hein. Bon, c'est boule divine, tu veux. Ah ouais, bon, ma rose, hein. C'est déchaîné, hein. C'est un des persos les plus forts de l'équipe. Hein. Là, il est mort. Là, il est mort. Ensuite. Donc ça, c'est Dragon Divus. Ça l'a fait. Je vais détruire l'autre. Une fois que j'aurai détruit l'autre, il n'y a plus aucun danger en fait. Hein. Il ne nous causera plus aucun problème. Allez. C'est parti. Pas trop long. Je crois que le prochain objectif, hein, c'est d'acheter un autre Jugger ultime. Je mets à Dart. Là, nos guérisseurs à Congol. Mais bon, 10 000, pour les avoir, je vais galérer. Temps, j'ai réussi, hein. Allez, Rose. Et Rose. Après quelques coups, quand même. Bon, tant qu'il fait de la magie, je crains rien. C'est quand il fait des attaques physiques que ça devient dangereux, vous avez compris. Donc là, sans les casques de légende, la meilleure équipe, je pense que c'est de mettre soit Miranda, soit Meru, hein. Parce qu'elle joue beaucoup toutes les deux, et niveau magie, elle ne craignait pas beaucoup. Congol n'est pas un bon choix, Rose est un bon choix. Après, c'est le perso. Les persos que vous avez le plus amélioré ou les persos que vous avez plus de facilité à faire leur combo, mais je pense que ça serait mon choix.
de prendre Meru et... Meru ou Miranda, Dark et Rose. Je pense que c'est le meilleur choix possible. Ah bon là, Rose, vous voyez, elle fait tout. Hein. Bon, on a pas beaucoup de vie. Alors maintenant, j'arrive à Dark. Tant mieux, hein. On a combien de vidéos là? Oh, 30 minutes, ça va. J'espère qu'il va pas me falloir une demi-heure pour le battre. Bon, là, je vais soigner. Ça s'impose. Donc prenez des objets pour ce combat. Parce que vous ne pourrez pas vous transformer en dragon sous peine de vous faire massacrer. Hein. Il est toujours bleu. Merde. Ouais, un coup de 300. Comme il a des points de vie. Mettons que les autres, je les ai eu en... 4 tours de Rose. Il va faire au moins une petite tour de Rose. Ah, et encore plus. Douze ou 13 tours de Rose pour le battre, je pense. Sans compter les attaques des autres persos, ouais. Bon. Plus j'en fais, mieux c'est. Ah, il est jaune. Yeah. Putain, mais elle joue beaucoup, beaucoup. Oh, c'est impressionnant. C'est vraiment ma numéro 10. Coup de 350. C'est bon. Dart. C'est un truc de fou ça, on doit appuyer avant que le bon moment pour pouvoir réussir. Je vous dis, il y a un petit décalage de 1 ou 2 secondes qui fait la différence. Allez, Rose. Oh, rouge, dalle. En fait, il est rouge parce que j'avais pas prévu de réussir autant les combos de Dart et de Kongol. Ouais. C'est bon. Bon, ils viennent de passer à peine au rouge, hein, donc... il ne faut pas fêter encore la victoire trop tôt.
suivre. Dart. Oh. Lui qui veut jamais jouer. Bon, c'est bon. Ça faisait deux tours qu'elle jouait plus, Rosa Schenke, là. Qu'elle joue tous les deux tours. Voilà, c'est fini. On a battu le dragon divin. C'est grand. Alors là, il y a trouvé l'œil. Il a crevé l'œil pour récupérer l'âme de dragon du dragon JV. Il va être costaud avec ça. Et nous on prend. Ah, ça y est, elle a pris sa dernière attaque. Dragon noir. Regravité. On va t'échanger avec ça. Allez. C'est l'âme du dragon. C'est l'âme dragon du dragon divin. Elle ne lutte pas dans ses mains, donc il va pas pouvoir en profiter. Il a morflé le dragon divin. Il se fait défoncer. C'est... Je veux juste voir sa tronche une dernière fois. C'est pas demain la veille. C'est belle cette photo. Allez. Dommage. En fait, dommage pour lui quoi. Ouais, c'est parti. Donc là, bon, 39 minutes de vidéo, on va encore un petit peu avancer. Bon de le tuer lui. Bon, oh, tant mieux. Donc là, Rose a récupéré
toutes ses magies de dragon, la dernière étant dragon noir. Kongol est en forme. Mais comme vous avez pu le voir, il est qu'au niveau 3 de ses magies de dragon, Kongol. Tout simplement parce que ses combos ne rapportent pas beaucoup de SP. Et vous savez que c'est le nombre de SP gagnés qui détermine le prochain niveau, quoi. Donc s'il gagnait 100 par combo, ça fait un moment qu'il aurait tout. Ah bon. Et Rose, dès que j'aurai tout fini, là, je mettrai notre perso, je la ferai plus jouer, hein. Elle est trop forte. Puis bon, une fois qu'elle aura tous ses combos à 99, c'est plus la peine de continuer avec elle. Je la mettrai certainement pour le boss de fin, mais pas plus avant. Hein. À la place, je pense que je mettrai Albert ou Ashan. Je te le garde au cas où. Allez. Hop là. Donc là, vous avez compris. On est venu pour tuer le dragon du vin. On l'a tué. Lloyd. Est arrivé à la fin, enfin au début, hein, il était là quoi. Il a récupéré l'âme du dragon humain. Et là, il a décidé de s'enfuir. Donc, nous le pourchassons. En gros, c'est ça. On va voir un petit peu où il faut aller ensuite. Voilà, Rose elle gagne 100, il gagne 20. Pas mal que ça prenne du temps. Bon, le mec après niveau, j'ai tellement appuyé vite que j'ai pas vu que c'était. Mais je prends tout. Hop là. Bon endroit pour s'entraîner ici. Hein. Mais il y a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de source régénératrice. Et la seconde, c'est que... les ennemis peuvent nous mettre à l'état de peur. Ouf. Une cinématique. Ils n'ont pas tiré cette scène.
Ah, moi j'y serais pas retourné. Quoi ça sert de se sacrifier pour rien? C'est débile, alors. Je retourne combattre, bien. Toujours gavé cette scène. Hein. Allez, ciao. Qu'est-ce que c'est débile ça. Hein. Après, il y a un démon dans le village qui les massacre tous. Par chance, tu arrives à t'enfuir avec ta famille. Tu retournes. Bon. Ah, ils sont tous morts. Bref. On a déjà vu cette scène, pourquoi il nous la remonte? Donc là, il s'enfuit. Ouh, t'es une artiste direct, non? Parle-nous de l'objet lunaire divin de 1000 saisons. Hésiter ne te ressemble pas, Miranda. Que les objets lunaires divins proviennent des voliers. Chacun d'eux ressent une puissance magique terrifiante, c'est pour cette raison qu'on ne les a jamais laissés sortir des frontières. Le nôtre s'appelle Miroir de Lune, le sceau qui le défend ne peut être que par la reine. Oh mon dieu, elle a compris. Eh oui. Donc en fait, celui qui se trouve... Excuse-moi, j'ai plus de voix. Celui qui se trouve ici... est gardé par la reine et c'est la seule à pouvoir s'en approcher. Donc du coup, prochain objectif, prochaine la reine. Oula, t'as vu. Bien. Elle nous moisse. Tu lui as. Danse du démon. Ouais, Dart.
Parfait. Meurs. Ciao. Oh, bon, mais ça va. Les trois. Magma. Allez. Normalement, c'est le bon chemin. Enfin, j'espère. On sera bien assez tôt. Au pire, je prends l'autre. Hein. C'est pas grave. Ça me fera faire un combat de plus, malheureusement. Ouf, c'est bon. Je me suis pas trompé. Allez. On approche de la sortie. Il doit rester 2-3 écrans avant la sortie. Bon, elle va me tuer, si je veux bien. Oh, il commence à frapper fort, mon perso. C'est bien. La disparition, c'est nul, ça vaut 10 à la revente. C'est vraiment pas intéressant. Alors. On continue le chemin. On va se frapper encore un combat. Ouf, non, du moins pas là. Mais là. Allez, Wyvern. Nous sommes à 53 minutes de vidéo. Ce qui veut dire qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Et reprend la prochaine fois. Voilà, on aura bien avancé. Pour finir le dragon divin, c'est pas mal. Alors pour rappel, vous pouvez acheter l'armure de légende à Deningrad. Le problème c'est qu'elle coûte 10 000. Donc si jamais vous avez du cash, vous pouvez vous faire plaisir. Donc casque de légende, c'est Loan. Armure de légende, c'est Deningrad. Et Jugger ultime, c'est Loan aussi, hein, il me semble. Si vous avez besoin d'en acheter un, et si vous avez la possibilité d'en acheter un. J'ai plus de sous, hein. J'ai plus d'objets, j'ai plus rien. Donc je pense pas que je puisse acheter l'armure de légende dans ce CD. Mais je sais même pas si je l'achèterai en fait. Ah, petite scène.
Alors. Oh. Dirigeant les humains dans l'ultime volcan. Oh putain. Qu'est-ce qu'il veut aller? Il n'y a pas de rêve à la fin. Ouf. Oh là là. Avec chasse dragon. Oh bah voilà, il est mort. Monsieur Lloyd. Je me suis écarté de mon chemin. Il y avait, moi il va au château. C'était son objectif de base. L'autre, qu'est-ce qu'il va y dire lui aussi? Il passe pas par ici. Allez, tac. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai un pied sur la carte, l'autre pied est un combat. Ah putain. Bon, remarque, on est pas. Je suis bien là, hein. Je suis à 58. Ah, il esquive. Allez, 734. Bon, il faudrait que je dorme à l'auberge. J'ai vu que Rose a été fracassée. Ah, chevelure. Il est joli, hein. Oh. Saleté, hein. Oh, Gongol, il doit pas être loin des 99, hein. Miranda, nous avons réussi avec le dragon divin. Que vous étiez arrivé, vous êtes blessé. La reine Teresa a été enlevée. Dénommé Lloyd. De droite. Sir Wing pourra vous le dire. Bon, voilà.
la suite au prochain épisode. Donc vous avez compris que la reine a été enlevée par... Hop, je vais m'arrêter là, sinon je vais me frapper un combat. Alors les combos... 17, 64... 95, bon. Bientôt. Voilà, ben il est temps pour moi de sauvegarder et d'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris du plaisir à la regarder. Et puis ben voilà, petit à petit on avance. Hein. On est déjà à la poursuite de Lloyd après avoir battu le dragon JV. Bon, honnêtement, je me rappelle plus trop. Tout ce qui va suivre, mais je sais que nous ne sommes pas loin de la fin du troisième CD. Hein. Bon, il y a encore des choses à faire, mais bon, honnêtement, il doit rester un ou deux boss. Donc ça va, on a quand même bien avancé. Je pense qu'il nous faudra deux vidéos avant d'atteindre la fin du CD 3. Je pense, hein, mais j'en suis pas encore sûr. On verra ça quand ça sera le moment. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Legend of Dragon. Et puis ben, n'hésitez pas, vous savez, si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez envie de vous manifester, ça fait plaisir. Et puis ben, au moins comme ça, ça m'encourage encore plus à accélérer les sorties de vidéos. Allez, je vous laisse. À bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye.